Ici, à la dune de Bouctouche, nous sommes un écosystème dynamique. Nous avons une flèche littorale de 12 km et aussi une passerelle de 2 km que les gens peuvent visiter l'écosystème. Ici, en arrière de moi, on voit les collines puis les buttes de sable qui sont couverts de l'amophile puis les autres plantes des régions sablonneuses. Parce que la plante, elle pousse à jusqu'à 1 mètre d'hauteur, mais les racines puis les rhizomes peuvent pousser jusqu'à 4 mètres de longueur. Ça forme une squelette vivante qui tient la dune en place. Éventuellement, avec les vents dominants puis le changement climatique, on va voir que la dune qui a une flèche littorale va devenir une île de sable, puis ça va continuer à bouger dans cette direction par à peu près 1 mètre par année. Et éventuellement, va reattacher à la terre ferme dans cette direction-là, puis redevenir un flèche littorale. Ici à l'Écocentre, vous aurez peut-être la chance d'observer des diverses espèces d'oiseaux, comme le grand héron, le pluviesifleur qui est en voie de disparition, et des limnicoles et des autres oiseaux de chanson. La passerelle de 2 km a été construite pour minimiser l'impact sur l'écosystème et pour vous mettre le plus proche possible de l'écosystème sans avoir un grand impact. Visiting eco-sensitive areas is an important part of our life because we care a lot about the environment. We care deeply about the world in which we live, and we're distressed by some of the disregard that we see around us. When we arrived here this morning, we were very impressed with what the Irving family had done. This walkway that leads us through the dunes is superbly crafted and well engineered, and impressed us that there were folks with the resources who would step forward and take the lead and make this happen. Quand vous êtes ici à la dune de Bouctouche, vous pouvez visiter notre centre d'interprétation ou arrêter pour voir un de nos expos de science. La dune a un âge d'à peu près 2000 ans, puis ça change toujours, alors visitez-nous quand c'est encore ici.